Et bonjour à tous, chers amis, ici Necros, le seul, l'unique, et nous sommes de retour dans ce 10e épisode de notre aventure sur Bloodborne. Et nous sommes toujours accompagnés de Henriette la buggée, voilà, parce qu'elle n'arrive juste pas à passer le pas de cette porte, hein, voilà. Donc ma grande, va falloir que, bah, que tu te bouges le cul en fait, tout simplement. Voilà, et donc on s'était donc arrêté, ça fait beaucoup de donc dans une seule phrase, mais vous m'aurez compris, on s'était arrêté lors du dernier épisode juste ici, juste devant cette vue magnifique, au pied d'une falaise. Non, je suis en train de raconter de la merde. Devant un moulin gigantesque, tout du moins ce qui pourrait ressembler à un moulin en fait. Et enfin, c'est vraiment superbe. Hein. Là, en tout cas, la vue est juste sublime quoi. Oh, il y en a un deuxième dans le fond, j'avais pas fait gaffe. Ok. Et je vois des choses qui brillent un peu au loin. Ah, c'est la flotte qui brille, tout simplement, très bien. Très très bien, ok, et eh ben en tout cas c'est vraiment superbe. Henriette est complètement buggée, on ne lui pardonnera pas. Joyau sanglant apaisant, 2, donc ce qui veut dire que c'est l'amélioration du 1. Ha, ah oui, t'as vu ça, ah oui, c'est la logique du nécro, ça, attention. Un antidote, ok. J'avance sans vraiment savoir où je vais, donc c'est un peu... C'est un peu la galère pour moi. Parce que là du coup je suis dans ma tête, ça se confond un peu, j'ai 15 zones à regarder. Oula, attends. Le mot de passe. Je le connais pas, le mot de passe. Calme-toi. C'est ça le mot de passe? Ne pas faire de bruit. Mais de toute façon, je connais pas de mot de passe. Bonjour! Voilà. Donc il est complètement cinglé. Ok, donc il va falloir que j'apprenne le mot de passe. J'ai pas une émote qui me permet de la visiter. Salut, machin, triomphe, secouer. Ah oui, d'ailleurs, secouer la cape avec cette tenue, ça marche. Oh, 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 cette classe. Pardon. Ok, non, bah écoute. Je n'ai pas le mot de passe pour l'instant, donc on verra ça plus tard. Tu m'emmerdes, Henriette. En plus, tu vas me gêner pour passer. Je parie. Oh putain, espèce de salope. Allez, casse-toi, merci. Ouais, ouais, j'ai la suite de salope, ouais. Aucun respect, je te dis. Aucun respect, aucun foutu respect dans ce jeu. J'en ai rien à foutre. Bien. Ah oui, d'accord, ok, je viens de me re-rappeler d'où est-ce que nous nous trouvons. Si vous n'avez pas compris, ce n'est pas extrêmement grave. On était sur une zone que j'essayais d'atteindre lors du dernier épisode. Ok, donc, du coup, à mon grand avis, à mon grand et humble avis, il doit y avoir un boss qui se situe tout au-dessus de ces marches. Donc petit rappel, lors du dernier épisode, j'ai débloqué ce raccourci qui nous ramène juste en bas au niveau de la cathédrale. Et il y a de l'orage chez moi. Ok, bon, bah écoute, tout va bien. Le meilleur des mondes, je sais pas si vous l'entendez. Je viens de voir l'éclair là. Truc de ouf! Truc de ouf! Voilà, il pleut, ça tonne, il y a des éclairs, hein, voilà, tout le monde s'en branle. Et comme ça, vous le savez. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc juste en bas, c'est la cathédrale avec la lampe. Donc en très gros, voilà, ce sera notre feu de camp. On a le raccourci débloqué pour aller jusqu'au boss, si tant est qu'il y en ait un. Ici, je ne suis pas allé. Donc, comme je l'ai dit, c'est vrai que j'ai pas mal de zones, du coup, à... Enfin, pas mal d'endroits, j'ai l'impression que tous les chemins sont plus ou moins liés entre eux. Vous voyez, là, on est retourné sur le grand escalier. D'accord, d'ailleurs, il y a une petite plateforme ici que je vais m'empresser d'aller voir ce qui s'y trouve. Ok, il y a un mec là-haut avec un... Avec je sais pas quoi comme arme, un grand bout de bois. C'est bizarre. Tac tac, qu'est-ce qu'on a là? Rien, et là? Rien non plus, très bien. Bon, je vais équiper les papiers de feu, je me dis que ça pourrait peut-être m'être utile s'il y a effectivement un boss.
cas, si on attaque cet épisode avec un boss, c'est un épisode qui risque de durer longtemps. Enfin, en tout cas, pour moi, au montage. Oula, des fanatiques. Des fanatiques du culte. Qui vont vite fermer leur grande bouche. Voilà. Et à un moment, je veux dire, moi, j'ai peut-être pas de respect pour vous. En attendant, vous me devez le respect. Voilà. Ils donnent la folie, eux. C'est ça, c'est le logo de la folie, ça. Oula, oula, mais ils grimpent. Calme-toi. En tout cas, je suis en train de remarquer, mais ta tenue est super chouette. Il me semble que je l'ai, cette tenue, non? C'est pas celle-là, non? Non, c'est pas celle-là, c'est l'autre, justement, avec la petite cape. Voilà, c'est la tenue de chasseur, celle-là. La même, on est d'accord, hein. Quelque chose près. Mis à part le chapeau, machin. Non, moi, je vais garder ma tenue carbonisée, là. Je la trouve vraiment classe, vraiment chouette. Après, c'est mon avis, bien entendu. Alors. Donc, une grande porte. À mon avis, oui, on est vraiment face à un combat de boss à en venir. Je vais juste fouiller tout ce qu'il y a autour, quand même. Ça pue le mob dans le coin là, non? Il va me sauter à la gueule. Œil injecté de sang. Fuck is that? Elle se soigne la grande là, j'ai l'impression là. Elle a regagné de la vie. Œil injecté de sang, œil injecté de sang. Ah! Composant utilisé lors d'un rite d'un calice sacré, d'accord. Étant donné que je n'ai toujours pas de calice sacré, je sais pas comment ça. Comment ça sert. Oh là, mais ça m'a l'air d'être carrément une nouvelle zone, ça. Ah, tiens, il y a un mur de fumée là-bas. Marque du chasseur téméraire, ok. Il y a un mur de fumée là-bas, ce qui indique soit, donc, bien entendu, une nouvelle zone, soit un boss. Je pencherai plus pour un boss, mais je vais quand même essayer d'aller ouvrir la porte qu'on a vue juste avant. Alors, je sais que je fais beaucoup d'aller-retour hein, dans mon gameplay. Mais j'aime bien apercevoir vite fait la zone avant d'y aller en fait. C'est pour ça là, vous voyez, avant d'aller droit devant, je voudrais déjà voir ce qu'il y a autour. Tu sais, des fois qu'il se passe quelque chose et que je ne puisse plus revenir en arrière, au moins, j'aurai pas de regrets. Et vous non plus, comme ça vous permet de voir tout ce qu'il y a autour de cette porte. Là j'ai l'impression que ça nous donne non, ça donne accès à encore une autre zone. Oh les mecs. Oh putain. À deux zones. Attends, je peux y aller là? Non. C'est quoi qui est là-bas? Je sais pas. En tout cas c'est chouette. C'est très très chouette. Bon. Ok, il y a du corbeau là-bas sur le toit. Ok, écoutez, on verra ça plus tard. Là, je vais ouvrir la porte. Enfin, du moins, je vais essayer de voir si je peux l'ouvrir. Commencer, on se met full life. La cloche qui sonne, hein, parce que sinon, c'est pas drôle. Ok, on peut ouvrir la porte. Henriette, tu nous gâches la vue. Fais pas chier. Quel bel accueil. C'est pas spécialement accueillant, mais c'est un bel accueil. Oula. Oula. Quand je vous disais que ça puait le boss. Ça parle? Chut.
What the fuck? Vicaire Amelia. Ok. Henriette. Go! Fonce, ma grande! Merde. J'ai pas du tout le bon timing. C'est chelou! J'ai plus de son en fait. Si vous m'entendez pas. Bon. Voilà, fallait juste que je me rajoute du son. Voilà, j'avais le son du jeu qui s'était baissé d'un coup. Je suis désolé si ça grésille. Je voudrais profiter de toute l'ambiance. Merde. Attends, je suis bloqué dans un mur. Comme boss, on a l'impression qu'il est vraiment blessé. C'est bizarre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oula, oula, oula. Oh. Oh là 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 là. Allez, petit papier de feu. Vous voyez, elle se tient la poitrine, c'est chelou. Ah, oh merde, putain. C'est moi ou j'aurais pu la... J'aurais pu lui faire un contre. C'est juste un putain de sac à PV. Oula 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 oula. On l'a bientôt buté. Henriette, paix à ton âme. Tu m'aurais été d'une grande aide parce que t'as pris tout l'aggro, hein. Je dois l'admettre quand même. Voilà. L'ancien chasseur Henriette est mort. Merci de ton aide. N'aura pas été vaine. Merde, je vois plus rien. Calme-toi, calme-toi. Oh putain. Ah mais je suis mort. Ah d'accord, j'avais pas vu que j'étais mort, je croyais qu'il me restait un poil de vie moi. Oh, m'a déglingué. M'a déglingué. Ok, bon. Je pense pas que ça va être le boss le plus compliqué auquel j'ai eu affaire. Enfin. Attends, parce que ça se trouve, il y a une deuxième forme. On va voir ça tout de suite. Je vais essayer d'y aller en solo ce coup-ci. Par contre, j'ai vraiment l'impression que je peux le contrer. Hein. Je veux dire, il y a un moment, il était au sol, il bougeait plus. J'ai l'impression que si j'y vais, je lui fonce dessus et que je le tape en pleine gueule, je pense que je peux faire quelque chose. Hein. Mais merde, si je commence comme ça. Oh là là. Mauvais ça. Pas remarqué si l'autre m'avait drop quelque chose, non. Est-ce que je la réinvoque du coup ou pas? Je viens de dire que je voulais essayer de me la faire en solo. Ouais, écoute, je vais essayer de la faire en solo. Parce que c'est aussi ça, tout l'intérêt d'un Souls. Je vais même pas me faire chier à combattre ces connards. Voilà. Bonjour, merci d'être
de passer. Merci de vous abonner à la chaîne de Necros TV. Très bien. Bon. Ma chère Amélia, on est reparti. J'ai pas mal d'âmes en plus. Allez. Je vous fais tellement peu de dégâts en fait, c'est vraiment particulier comme combat. Ah mais en fait elle se tient la poitrine parce qu'elle tient le médaillon qu'on a vu dans la cinématique, j'ai l'impression. Oh là là, beaucoup trop tôt, beaucoup trop tôt. Oh putain. Non non, soigne-toi. Voilà, je croyais que j'étais mort. Aïe. Calme-toi Amélia, calme-toi. Ça va bien se passer. Les gueules. Vraiment bizarre ce... Putain, le timing qu'il faut avoir pour cette attaque quoi. Attaquer de front, c'est vraiment pas évident, franchement. Bon. Faudra que j'essaye d'ellipser toute la route à chaque fois. Pour éviter que ce soit trop chiant. Enfin, tu me diras, la route est pas extrêmement longue. Si je rush, normalement, ça devrait bien se passer. Au final, c'est vrai que le fait d'avoir déclenché ce raccourci là, ça me permet de passer juste ici et de bah, d'éviter de me taper quand même pas mal de mobs. Allez. Je vais essayer d'y aller avec la... avec le coup précis, ce qui me permet d'avoir une meilleure allonge quand même, tout en faisant de très bons dégâts et en étant assez rapide. Allez! Je pense que mes 13 000 âmes, je peux les abandonner. Ça, je les récupère, je sais, mais bon. Quelque part, je fais ce que je veux aussi. Je me demande s'il y a moyen de contrer les boss. Elle est partie dans une phase. Ouais, elle l'a quitté. Merde, j'ai pas fait l'esquive du bon côté. Ça va commencer à devenir problématique tout ça.
beaucoup trop gourmand en termes de nombre d'attaques. J'en fasse beaucoup moins. Genre 2, c'est bien assez. Mais d'où elle me touche là? Putain, je comprends pas. Je comprends vraiment pas comment. Comment elle me touche? Ok. Ah d'accord. Ah d'accord, je viens de comprendre comment elle me touche en fait avec son attaque, parce qu'elle recule en même temps. Automatiquement, au moment où elle recule, ça me touche. Prévu ça. Je me gourde de touches, c'est pas grave. Soit. Putain. Je comprends pas ce qui se passe. Pas tout à fait compris ce qui s'est passé là en fait. J'ai l'impression que je lui ai vraiment fait mal. Je sais pas si c'est le feu qui fait ça. Mais... mais elle se soigne ? Non ? J'essaye de comprendre ce qui se passe en fait les mecs. C'est vrai que c'est... Waouh la vache, comment tu l'esquives celle-là? C'est quand tu veux que tu te soignes. Tu fais plus de dégâts là, en fait. Allez. Courage. Et voilà! Bon ben voilà, parfait! Vicaire Amelia, merci d'être passé, au revoir! Plus 15 000, ça fait plaisir, et un pendentif en or. Phew! Qu'est-ce que c'est que ce bruit? C'est mon bœuf qui fait ça? J'en ai bien l'impression. C'est bel et bien mon bœuf qui fait ça. Bon bah ça, j'en ai pas trop chié, j'ai fait combien? 3 essais dessus? Parce que là pour le coup vous avez vraiment tout vu. 3 essais dont un avec avec Henriette là. Attends, je vais juste... Voilà, pour enlever ce son désagréable de nos oreilles. Ouais ça va, j'en ai pas trop trop chié, ça va, c'est pas extrêmement dur. Serait-ce un calice à tout hasard? Oula mais c'est un crâne ce truc. Oh, c'est complètement chelou. Maître Wilhelm, je suis venu vous dire adieu. Oh, je sais, je sais. Tu comptes désormais me trahir. Non, mais vous ne m'écouterez jamais. Je vous promets de ne jamais oublier notre âge. Nous sommes nés par le sang, renforcés par le sang, anéantis par le sang. Nos yeux ne voient rien, nos corps. Redoutez le sang ancien. Je dois prendre congé. Ok,
Qu'est-ce qui vient de se passer là? J'ai rien compris. C'est quoi? C'est une vision de du passé qu'on a vu? C'est what the fuck? Lorenz, qui est Lorenz? Serait-ce un futur boss? Ouais, bon, bah écoute, je ne sais point, je ne sais pas, je n'y comprends plus rien. Je vais retourner au rêve du chasseur, on va consommer nos échos du sang, là, puis on va voir ce que ça donne. En tout cas, très sympathique ce boss. Musique, pas extrêmement présente, mais plutôt sympa. Le boss en lui-même était très beau, hein, faut le dire quand même. Faut savoir le souligner quand c'est le cas, hein, voilà. Ok, bon, bah écoutez, très bien, parfait, tout ceci est magnifique, tout ceci est terriblement beau. Eh, du coup, j'ai 6 lucidités en stock, je vais aller voir après ce qu'ils nous vendent. Alors, obtenir les objets, nani, nanner, composants, est-ce qu'il faudrait que je leur vende les composants, là, les trucs que j'ai ramassés, là? Alors j'ai dit que j'achetais ces deux armes là, je vais le faire, ne vous inquiétez pas, vous voyez que j'ai d'autres armes aussi, le tromblon, pistolet à répétition. Alors celui-là je me demande si c'est pas l'arme justement que je voulais, qui est complètement pété. Ouais vous savez, attends, vendre des objets, non c'était pas ça, c'était dans quoi? Bouclier coûte 500. Oh non, le bouclier, je vais le garder parce que c'est cheap. C'est comme les tenues, ça me fait chier de les vendre. Jouer aux teintes sanglantes. Alors, les attaques de sang, j'ai vu en off que c'était donc les attaques des armes à feu en fait. Donc, je sais pas si vous me l'avez dit dans les commentaires, auquel cas je vous en remercie. Mais j'ai vu ça par rapport à quand j'ai voulu améliorer l'arme, mon pistolet en fait, j'ai vu que ça faisait des attaques de sang. L'eau de pièces brillantes des dents a trouvé son chemin. Ouais, non, bah écoute, je m'en suis jamais servi. Je pense pas que je m'en servirai un jour. Qu'est-ce que je cherche? Ah oui! Je cherche ça. Voilà. Qu'est-ce que. Je peux rien en faire? Je peux pas. Comment je fais pour leur donner ça? Les habitants de la zone. Il y a un air. Non, c'est juste. J'ai l'impression que c'est juste des objets qui me permettent de débloquer d'autres ventes. J'en sais rien du tout. Pour être honnête, j'en ai aucune idée. J'en ai aucune foutre couille idée. Ouais. Qu'est-ce que. Tac, 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 tac. Qu'est-ce qu'ils disent eux? Tenir les objets. Wait. Ah, je peux acheter des fragments de pierre de sang? Mais 34, c'est la quantité que j'ai. Je comprends pas, là. Acheter contre lucidité. Genre, je peux en racheter 34 pour 1 lucidité? Ça me paraîtrait un peu abusé. Waouh. Ouh, ça m'a l'air classe. Ouais, vous voyez, ça, ils vendent des tenues, en fait. Je crois que c'est chez eux que j'ai déjà acheté une tenue. Si je dis pas de conneries. Il me semble, hein. En début d'aventure. Et donc du coup je voulais voir je vais consommer toutes mes lucidités. Parce qu'en fait il y a un avantage dans tout ça. C'est que les lucidités lorsqu'on les consomme on ne les perd jamais en fait. Même si on meurt on ne les perd pas. En tout cas j'ai cru comprendre. Après mais j'en ai 12. Je vais dire franchement, pas me casser les couilles. Et puis si on les perd, dire tant pis, hein. Voilà, je vais aller à 10 parce que 10, j'ai l'impression que c'est un palier en fait. Est-ce que il me vend autre chose? Il me vend pas d'armes, il me vend pas d'autres tenues. Non, bah écoute, j'en sais rien. J'ai cru comprendre qu'à partir du moment où tu as un certain nombre de lucidités sur toi, il te vend plus ou moins d'objets en fait. Je sais pas, mais il m'en reste 8. Je vais aller à 15. Voilà, 15.
Et il me vend toujours rien d'autre. Non, bon, bah écoute. J'imagine que j'ai complètement craqué mon slip. Du coup, je vais acheter ça. Et je vais l'essayer tout de suite. Vous voyez, par exemple, je sais pas, il m'en reste 9. Hein, il me vend la même chose. Hein. Ouais, bon. Très bien. J'imagine qu'il faut en avoir au moins une sur soi pour que, pour acheter quelque chose chez eux, j'en sais rien. Alors, couvre-chef de loup gris. Tenue de chasseur cendré, tac, et tac. C'est horrible. C'est laid. Ah. C'est quoi ce chapeau? C'est bizarre. L'autre, il est pareil? Parce qu'il y en a un comme ça, qui ressemble un peu. Ah non, celui-là, il est clairement mieux, ouais. Là, au moins, il le met droit, quoi. Là, je veux dire, celui-là, une fois qu'il l'a sur la gueule, il peut plus avancer, parce qu'il voit plus rien. Là, déjà qu'apparemment, il a un bandeau, donc ça veut dire qu'il a déjà un œil en moins. C'est débile. Non, c'est moche. J'aime pas du tout. La tenue en elle-même, ça passe, même si, ouais, non, bof. Comparé aux autres, très honnêtement, bof, bof, bof. Oh, la déception. La déception d'un homme. Ça avait l'air classe comme ça, mais au final, c'est de la merde. Du coup, qu'est-ce que je vais garder ma tenue, quoi. Alors, à quoi elle ressemble. Alors, attends, j'ai vu un truc, j'ai cru... Ah, voilà. Avec L2 et R2, en fait, au lieu de quitter et revenir dans le menu, je peux tout simplement changer comme ça. Ah non, la tenue de l'église, oui, c'est vrai qu'elle est... Elle est dégueulasse. J'avais oublié ce détail. Donc, du coup, qu'est-ce que je vais mettre. Puf, puf, puf. Gascogne, non. Parce que le chapeau, je l'aime pas. Après, la tenue est peut-être pas mal. Je m'en rappelle plus, très honnêtement. Gascogne, Gascogne. En plus, la gamine, je l'ai... Ouais, j'étais allé la voir avec la tenue de son père, je crois. En mode, aucun foutu respect, quoi. Ouais, non. J'aime pas. Non, franchement, je reste pour l'instant avec ma tenue de chasseur carbonisée parce que je trouve qu'elle est super classe. La tenue de chasseur de Yharnam est vraiment chouette, hein, je dois le dire. Mais celle-là, je la trouve superbe. Avec la petite cape déchirée à l'arrière, là, c'est magnifique. Voilà. Et en plus. Hein, et en plus. Oh ! Voilà, pardon. Je jouis. Ah, bah tiens, le vieux est revenu. Qu'est-ce que t'as à me dire aujourd'hui ? L'église du remède. Et les prêtres de sang qui la composent étaient les gardiens des chasseurs, au temps du chasseur. Ludwig, il travaillait et forgeait des armes dans leur atelier unique. Aujourd'hui, la plupart des prêtres n'ont aucun souvenir des chasseurs, mais ils ont beaucoup à vous offrir. N'oubliez pas le message de vos ancêtres. Montez à la chapelle d'Eudone. Montez là-haut. Vous trouverez l'atelier de l'église. Montez là-haut. Ok. À la chapelle d'Eudone. Chapelle d'Eudone, la chapelle d'Eudone. Eudone, c'est là, il y avait le cimetière, là où j'ai buté. Là où j'ai buté Gascogne. La chapelle d'Eudone, je sais pas où elle est, moi. Me fait chier avec ta chapelle à la con. Outil d'atelier requis n'est pas disponible. Alors, du coup, combien il m'en faut. Il m'en faut 3 et j'en ai 2. Fait chier. Alors, du coup, j'avais dit que je voulais acheter les deux autres armes. Deux petites secondes, je regarde si je peux pas. Non, j'ai toujours rien. Alors, je suis... Ah, bah voilà, quelque chose d'intéressant, là. Je suis bien sur l'épée marteau, ouais. Joyau sanglant apaisant, niveau 2. C'est celui-là que j'ai, attaque chargée. Alors, attends, attaque physique augmentée de 7,3%. Ça, c'est très, très intéressant, hein. Il faut le dire. Et attaque physique... Non, physique augmente... PV max 2,7. Ça veut dire quoi? Que chaque fois que je fais des attaques, je gagne des PV? Si c'est ça, c'est complètement craqué. C'est con, avec cette arme-là, je peux en mettre qu'un seul. De joyaux, étant donné que...
Bah, étant donné que j'ai qu'un seul emplacement pour les joyaux radio, comme ça, pour la forme radiale. Vous voyez, la deuxième, c'est la forme triangulaire, là. Et je n'en ai point. En revanche, avec le coup précis... du coup, j'ai pas d'autres trucs intéressants, là. Attaque chargée augmente. Attaque physique augmentée de 2,1. Attaque chargée augmente. Voilà, ça, c'est un peu mieux. Hein. Celui-ci. Alors, attends, on va déjà... équiper celui-là, comme ça me permet de voir si j'ai pas mieux. J'ai que des trucs d'attaque physique, de toute manière, j'ai l'attaque chargée, machin, et le deuxième, j'ai ajustement compétence 2,1. Et après, sinon, c'est des attaques physiques que je peux encore améliorer. Restore PV en cours plus 1. Ouais, mais celui que j'avais, ça. Bah, je vais le mettre, tiens, je vais le remettre. Voilà. Ok, bon, bah écoute... je peux rien faire d'autre pour l'instant. Lui, j'avais, voilà, joyau de teinte sanglante qui me permet de faire un peu plus d'attaque de sang. Donc je fais plus de dégâts. Ah, je l'avais pas équipé. Ah, quel con. Je l'avais pas équipé sur l'arme. Brutive. Fortification, machin, réparer les armes. Oui. Pourquoi elles se sont pas réparées automatiquement? Ouais, ça vaut pas le coup. Franchement, je sais même pas pourquoi ils ont foutu des trucs comme ça. Ça, honnêtement, ça sert à rien, quoi. Réparer les armes, je veux dire... se répare à partir du moment où tu meurs. Ou que tu reviens là, normalement. Là, j'ai pas l'impression que c'est le cas, mais... enfin, bon, bref. Qu'est-ce que je vais dire? Oui, c'est quoi ce logo, du coup, là? Qu'est-ce que j'ai de plus sur cette arme? Non. Où est-ce qu'on peut voir ce que j'ai d'équipé? Faire une... putain, merde! Je m'en rappelle plus en fait. Je viens de le mettre, mais je m'en rappelle plus. Fortification géo sangle, voilà, tac. Qu'est-ce que j'ai? Physique 1, hein. Attaque physique augmentée et physique augmente PV max plus 2,7. Je sais pas. J'arrive pas à comprendre cette description en fait. Si vous la comprenez, vous n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi je n'y comprends absolument rien. Bref, alors. Tac. Donc je vais équiper ceci. Et je vais équiper attaque provisoirement à la place des antidotes. Voilà, le temps de les consommer. Ah merde. Voilà. Et je vais juste donc rééquiper mes antidotes, parce que je suis sûr et certain que ça va me servir au bout d'un moment. Du coup, tac, on va acheter donc les deux armes comme je vous l'avais promis. Fusil à baïonnette et enfonce-pieux. On va tester ça tout de suite et je serais tenté d'acheter un autre flingue, histoire de changer le tromblon ou le pistolet à répétition. Tu me diras, ça fait 4700, j'ai largement les moyens. Crac et crac, voilà, j'achète les deux, aucun respect. Par contre, ils me vendent pas de fringues. Bon, du coup, je sais pas. J'ai déjà dû vous le demander dans les commentaires d'un autre épisode de savoir comment je faisais pour leur donner ces objets-là. Je sais pas comment on fait. Donc, si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Des fois que je voulais pas demander auparavant, comme ça au moins. C'est fait. Et ça, je sais toujours pas. Badge d'un chasseur de l'atelier, machin. Badge créé à partir d'un atelier, hein, comprenez pas. Je peux confier qu'à un chasseur. Je ne sais pas comment on s'en sert. Je ne sais ni à quoi ça sert, ni comment on s'en sert. Et bah écoute, c'est pas grave. Du coup, on a dit qu'on allait tester les armes. C'est un peu fouillis, hein, je vous cache pas. Oula, mais j'ai pas du tout les attributs nécessaires. Mais oui, hein, ce qui me manque, il me manque 2 points en teinte sanglante pour cette arme-là. Je devrais pouvoir les passer normalement. Je vais équiper celle-là, tac, et si tu veux... Ah non, je peux vraiment pas l'équiper en fait. Alors attends. Bienvenue. Très bien, laissez-moi. Tac, je vais mettre les 2 points en teinte sanglante pour pouvoir équiper l'arme.
Ah, je peux. Si je peux repasser encore un level, bah écoute. Dans quoi je vais le mettre compétences, voilà, comme ça je serai à 15. Je pense que c'est pas mal. Très bien. Adieu, brave. Merci, merci. Alors. C'est pas ce que je voulais faire. J'ai le bouton qui a fourché. Fusil à baïonnette, très bien. Alors, viens voir, cet enfonce-pieux, putain, c'est vraiment... Ouais, c'est ça, c'est l'arme qu'avait l'autre sur le toit, là. Ok, c'est une arme qui est assez rapide. C'est quoi la différence? D'accord, je gagne 20 cm d'attaque. Ça joue peut-être sur l'attaque puissante, hein. Pas du tout. Je peux même pas la combiner. Qu'est-ce que c'est que cette arme de merde? Ah d'accord, là je fais que de l'estoc. Alors si je fais... What the fuck? C'est quoi cette attaque surcheatée là? Et comment ça se fait que j'ai pas pu la refaire? Attends, j'ai pas compris là. Comment je l'ai faite cette attaque? Attends. Je l'ai chargée en fait, j'ai chargé l'attaque puissante, je comprends pas, c'est peut-être après une attaque. Oh là, bah, je comprends pas du tout le fonctionnement de cette arme, dis donc! Ou alors c'est celle-là plutôt, non? Oui, voilà. Mais je. Ouais, je comprends pas. Non, bah j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Je suis navré, chers amis. Hein. J'aurais essayé quand même, malgré tout. Et donc l'autre. Oula, ouh, joli. Très joli. C'est une lance et tout ce qu'il y a de plus basique, j'ai l'impression. Dégâts des stocks, jusque là rien de plus normal. En attaque surpuissante chargée, c'est juste une grosse attaque des stocks, mais qui pointe vers le bas. Oh, et donc là, d'accord, ça devient le fameux fusil à baïonnette. Une attaque assez lente, il faut bien l'avouer. Ouh, très belle attaque des stocks, ça fait plaisir d'avoir autant d'allonges. Si je la charge, pas mal, pas mal. Ça j'aime beaucoup. Par contre, si je fais, ok, donc je peux tirer avec. Très bien. Si je vise un peu plus haut pour voir, j'ai l'impression que ça tire plusieurs projectiles en plus. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et quand je l'ai à une main, non, c'est encore le flingue quand je l'ai à une main. Très bien. Ok. Et bah écoute, pourquoi pas. Je vais aller tester ça. Alors par contre, je te cache pas que celle-là, elle va foutre le camp. L'enfonce-pieux, très honnêtement, non. La merde. J'aime pas du tout. La lance, là, elle me plaît, par contre. J'aime bien. L'attaque... quand tu l'as à deux mains, l'attaque chargée, comme ça... Là, elle doit vraiment faire mal, celle-là. Et le fait qu'on puisse tirer avec, ça, c'est pas mal. Ça me plaît beaucoup. Puis les attaques comme ça... Ok, bah écoute, on va essayer ça. On va essayer ça. Qu'est-ce que je voulais dire? On en est à combien? 3 quarts d'heure de vidéo pendant lesquels j'ai passé un quart d'heure à rien branler, hein, soyons honnêtes. Bon, j'ai des fragments de pierre de sang à foison. Je pense très honnêtement que vous ne m'en voudrez pas si j'améliore le fusil à baïonnette en plus 3. Hein, parce qu'il n'y a pas de raison, il ne fait pas énormément de dégâts par rapport aux armes que j'ai, donc... Bim et bim, voilà. Ça, je suis en plus 3, je suis à 117. Non, à 109. Qu'est-ce que c'est en machin? Tac, tac, tac. Voilà, pas des super bons attributs à part en compétences. Écoute, on va l'essayer ça tout de suite. De toute manière, faut que je me rende à... Où est-ce qu'il a dit l'autre? L'église de Dodon ou je sais plus trop quoi, Dodon. La chapelle Dodon. À la chapelle. Chapelle Eudon. Pour trouver l'atelier de l'église. Le tout c'est de trouver la chapelle Eudon.
Alors attends, parce que du coup, je suis désolé, hein. Je vérifie tout ce que j'ai. Alors, pour motif en or, voilà, je vais pas regarder. Pour obtenir gemme sanglante. Ah ah! Pendentif du vicaire Amelia, utilisé pour changer en gemme sanglante, ce qui fortifie les armes. Ce pendentif que les vicaires se transmettent depuis toujours porte l'adage d'avertissement. Pour révéler l'adage, trouvez le crâne de l'autel. Ah. Donc c'est grâce au pendentif que j'ai pu voir machin. Je comprends pas en fait. Je comprends rien, je te jure, je comprends rien. Et je peux l'utiliser. Mais wait. Wait, j'avais pas déjà fait une connerie comme ça, moi. Avec je sais plus quoi, là. Ce pendentif que les vicaires se transmettent depuis jour pour... Utilisé pour changer en gemme sanglante, ce qui fortifie les armes. De toute façon, ça sert à rien d'autre. Ce qui me fait chier, en fait, c'est le genre de jeu où tu peux être sûr que, en fait, faut vraiment faire un choix drastique. Du genre, si cet objet-là, si je le sacrifie, c'est cool, je vais avoir une gemme sanglante pétée, peut-être. Et encore, c'est même pas dit. Mais ça se trouve, le pendentif en lui-même va me servir à une quête. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, hein. Bon. C'est chiant, quoi. Bon, écoute, je vais le faire. On va voir ce que ça donne. Ça se trouve, je suis en train de faire une grosse connerie. Vous êtes tous en train de me dire derrière votre écran, non, Nécros, fais pas ça, fais pas ça. Ou alors vous êtes juste en train de me dire, mais si, justement, fais-le, connard, ferme ta gueule et fais-le. Bon, ok, je le fais. Gemme sanglante d'or. Et que fait-elle, cette gemme sanglante? Sans vouloir être trop indiscret. Gemme sanglante d'or, radial, attaque versus monstre augmente de 12,6% et craqué. Enfin, c'est craqué, oui et non, mais c'est craqué par rapport aux autres gemmes que j'ai, quoi. Et à mon avis, je vais pas pouvoir l'équiper. Je vais pas pouvoir l'équiper parce que... Ah si, je peux l'équiper. Wait. Ah, c'est seulement contre les monstres. Ouais, puis je gagne que 12 points d'attaque, en fait. C'est seulement contre les loups, j'ai l'impression. Tu vois. Enfin, contre les monstres. Véritablement. ouais, pourquoi pas. Par contre, je vais pas du tout l'équiper sur cette arme-là. Là, c'est le même principe. Ouais, bah écoute. Je vais équiper là-dessus, on verra bien. On va bien voir ce que ça donne. Ok, bon bah très bien, très bien. Tombe de Don, Faubourg de la Cathédrale, Grande Cathédrale, Vieux Yarnam, qu'est-ce que j'ai pas vu comme autre chemin? Non, je crois que j'ai tout vu. Tu sais que j'ai déjà oublié où est-ce qu'il m'a dit d'aller, le vieux. Ah non, mais je te dis, en termes de mémoire de poisson rouge, je fais très fort. Chapelle de Don, voilà, la chapelle de Don. Par contre, il me dit de monter. Moi, le chemin que j'avais en tête, là, c'était pour descendre. Donc, alors, si je vais... Wait, what? Fonctionne pas pour le moment. Ok. Pourquoi? Ah, d'accord, on peut pas se téléporter où on veut, vraiment, en fait. Ah, c'est bizarre, ce truc. Tiens. Une nouveauté. Quelque chose de... d'original. Sur internet. Truc de fou, quoi. Non, je... Là, excusez-moi, je vais complètement craquer. pardon. Un chat dans la gorge, tout va bien. Alors, faubourg de la cathédrale. Par contre, pourquoi je peux pas aller au cimetière, là? Ça... Tu me causes toujours pas... Ah. Comment on s'est retrouvé dans ce bourbier? Si t'arrives, ma belle. Enfin, ma belle, faut le dire vite vu quand même. Oui, vite fait, je veux dire. C'est tout Oh, le bon vieux temps. On rigolait bien. Bon, ok, elle est juste folle. C'est pas bien grave. Ne s'ouvre toujours pas. Qu'est-ce que l'autre, il me dit toujours rien de neuf là. Oh, le chasseur, c'est vous êtes en vie, restez aussi en temps. Restez, mais
La prochaine fois, si vous trouvez, il n'y a rien à craindre ici. Attends, wait, attends, redis-moi ça. Je sais que si vous croisez quelqu'un en chassant, parlez-leur de cette chapelle Eudon. Enfin, s'il vous semble digne de l'entendre, et j'espère... Bah j'y suis à la chapelle Eudon. Excusez-moi, je voulais pas crier. J'y suis à la chapelle Eudon, c'est ça en fait. Et apparemment, il y a un atelier dans le coin. Putain, j'aurais loupé ça. Je suis sûr que c'est derrière cette putain de porte en plus. Y a rien ici, on est d'accord. Qu'est-ce qu'il me raconte le vieux là ? Il est complètement fou lui aussi. Il est que dalle ici. Non, y a rien. Rien du tout là. Crac, il est sans slip celui-là. Ah, attends, c'est peut-être là. Il n'y a pas un ennemi ici. Non. Non. Qu'est-ce que ça me disait ça? L'araignée de Barinou cache toutes sortes de rites et tient éloigné notre maître perdu. Quel dommage, ça va faire trembler ma tête de façon. Ok. Et donc ça menait où cet escalier? C'est vrai que ça fait longtemps que je suis pas venu ici donc. Oui, très bien. Centre de Yharnam. Et donc je me retrouve à... Ok, donc au fameux cimetière Eudon là. Mais je ne comprends point. Pas, mais elle ne s'ouvrait tout simplement pas. Il y a l'autre qui me demande le mot de passe là-bas en bas. Oh, je suis paumé là. Oh là, mais c'est quoi ce délire là? Les ennemis qui manquent à l'appel là. Ah oui, et puis il fait nuit. D'accord, la lune s'est complètement levée là. Ah, je viens seulement de remarquer. Non mais en plus d'avoir l'environnement qui change, t'as les ennemis? Vous êtes sérieux? Enfin le spawn des ennemis, je veux dire. Il a juste changé de place ou Il y a l'autre qui est là-haut? Non mais ça je suis d'accord, mais là il y en avait un. Et puis il n'y a plus de corbeau là aussi. Wouah! Ah ouais d'accord. Alors là le jeu prend une toute autre tournure là. Je dois admettre que c'est très intéressant. Je t'aime dans tes couilles, mon grand. Elle est vraiment sympa, ce terme. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Je dois admettre que... Oula, mais... Ouais, on est d'accord, c'était celui-là. D'accord, je vais me chier dessus, lamentablement. Vous avez vu, il y a une petite brume qui s'est levée là. Oh putain. Puis je peux plus invoquer le PNJ, d'accord. Donc les PNJ qu'on peut invoquer, c'est seulement pour les boss, hein, j'ai l'impression. Oh la vache. Mais enfin du coup, ça soulève énormément de questions là. Ça veut dire que tout le jeu se modifie. Enfin, je veux dire tout l'environnement de chaque zone, les mobs et tout ça. Oh putain, oh le mindfuck.
par contre, c'est génial. C'est génial parce que bah du coup, ça veut dire que tu redécouvres limite chaque zone une fois que tu les as déjà traversées. Je vais retourner à la zone du boss là. Bonjour madame. Excusez-moi de vous déranger. Non, je sais pas, oui, non, mais voilà. Peut-être que pas. Ta gueule aussi. Oh là là, ça marche! Magnifique! Superbe cette arme. Elle est superbe en fait, tout simplement parce que bah, ça me permet de continuer à faire des contres tout en ayant l'arme à deux mains. Et ça vaut de l'or, chers amis. Oh non, mais vas-y, il y a son petit pote qui débarque. Tu sais, le mec, je veux juste le backstab, il se barre. Voilà, aucun respect quoi. Putain, mais c'est incroyable. Incroyable, ces jeunes de nos jours. Ah, je me suis chié dessus, tiens. Je suis doublement chié dessus, dis donc. Pas mal du tout cette arme quand même. Aïe. D'accord, c'est le fail. Alors par contre en attaque simple, il fait que de l'estoc, vous voyez. Donc moi je dis pourquoi pas, oui, il y a des nouveaux ennemis là du coup. Et le grand là, gigantesque, il y est. Ah si, il est encore là. J'aurais juste essayé de le backstab. Et voilà, puis tu dégages en bas, parce que je n'ai absolument aucun respect pour ta personne. Pareil, il n'y a plus les géants là. Si ? Ah si, ils sont là-bas. Mais ils bougent plus comme s'ils étaient endormis. C'est... Tu sais, c'est bizarre. Oh la vache. Non mais là, du coup, enfin, je veux dire, le jeu, il prend une toute autre ampleur là. C'est assez incroyable de voir ça. Enfin, je veux dire, calme-toi, c'est pas non plus... Regarde, il dort ! Il faisait la sieste, le grand ! Par contre, je lui fais juste pas assez de dégâts avec cette arme. C'était pas prévu ça. Et voilà. Essayer un truc. Mais oui. Mais t'es rapide toi. Non merde, je fais n'importe quoi là. Non, je suis navré, j'avance pas spécialement. Ah mais attends, c'est vrai qu'il y a deux zones là. Il y a deux autres zones là, c'est vrai. Parce que j'étais en fait depuis tout à l'heure, je sais pas où aller. J'étais en train de me dire mais j'ai tout fait, j'ai tout vu là, donc je ne comprends pas. Mais en fait si, il y a encore deux nouvelles zones à visiter là. Mais là, enfin ouais voilà, on est d'accord qu'il n'y a plus rien à faire quoi. Donc ouais, bon bah écoute. Mais c'est peut-être ça la chapelle Odon, non? Je peux plus rien en faire ici non? Non. Bah écoute, j'en sais rien. Je sais pas trop de quoi il m'a parlé le vieux là. Il raconte de la merde de toute manière. Très bien. Bon. Écoutez, ce que je vais faire, je vais me diriger vers la prochaine zone là qu'on va aller visiter. Et je pense que ouais, on va s'arrêter là pour cet épisode qui a bien assez duré. Tac
Tac tac, on va aller de ce côté là. Pourquoi? Parce que c'est le côté le plus proche de la ville. Donc c'est ce qui s'en rapproche. Et j'aime bien finir les zones dans lesquelles je me trouve. Et vous voyez là, on est clairement encore dans la même map, on va dire. Alors que de l'autre côté, vous avez vu que c'était vraiment un autre décor, c'est vraiment une autre map. D'ailleurs, on a l'impression que ça ressemble limite à des marais. Donc ça m'enchante pas plus que ça, pour être sincère avec vous. Voilà, et bah écoutez, sur ce, chers amis, merci à tous. Un grand merci à vous tous d'avoir regardé cet épisode. Un petit message au passage, à l'heure où je vous parle, vous êtes 599 sur ma chaîne. Et ça, c'est beau, c'est magnifique, et je vous en remercie, chers amis, vivement les 600. Et sur ce, un grand merci à vous tous, encore une fois, je le dirai jamais assez. Ciao, ciao, et à la prochaine, chers amis, et surtout, portez-vous bien, c'est le plus important. Allez, bye bye.